Salut à toutes et à tous, c'est Silence dans 59 et nous voici aujourd'hui pour ma petite rubrique rétro sur Batman Return sur la Super NES. Et ouais, je l'ai enfin trouvé. Putain que je cherchais ce putain de jeu. Donc, le jeu tiré du film, du second film de Tim Burton, bien sûr, Batman. Donc c'était, je sais même plus c'était quoi le titre exact. Moi je veux dire Batman 2, mais je pense que c'était autre chose que Batman 2, si je me rappelle. Mais la Batmobile! Ah, bon, je vous ai laissé l'intro, hein, comme ça vous voyez un peu avec les vraies musiques, hein, ça c'est pas mal. Donc c'est un jeu qui est sorti en 93, si je me rappelle, j'avais 11 ans. Ouais, putain, ça date. Ah, ça m'a foutu les boules un petit coup, là, dire ça. Donc, un beat'em all, bien sûr, sur les figues, sur l'univers de Batman. Batman et son nouvel ennemi, puisqu'après avoir niqué le Joker dans le premier, bien sûr, on retrouve notre super-héros en cape noire dans un beat'em all super péchu. On peut dire que dans ces années-là, c'était vraiment l'un des meilleurs Batman, si ce n'est le meilleur Batman même. Tiens, mange-toi dans ton manteau de brun, là. Bikers. Moi, je casse les poubelles parce que je suis comme ça. Tiens, mange, coup de pompe. Bon, on va dire que c'est assez répétitif, hein, c'est du beat'em all classique, hein, façon du beat'em all à l'ancienne. Hein. Donc c'est un jeu édité et développé par Konami. Hein. Donc à l'époque, c'est Konami qui s'occupait de ça. Tiens, mange mon... Bon, je sais même plus comment ça s'appelle. Mon Batarang. Hop. Donc Batarang, ça ira immobiliser les ennemis. Hein. Rien de plus, ni moins. On va voir, c'est très classique. Bon, pour l'époque, ce jeu était une tuerie. C'est vrai que maintenant, vous mettez ça entre les pattes des gens et crée un peu scandale. Mais à l'époque, c'était comme ça. Bon, tu vas crever, biker de brun, là. Tiens, mange mon batarang. Go, go. Je sais même pas si on peut jouer à deux dans ce jeu, tiens. Bon, lui, déjà, on va se mater, lui. Hop. Bon, on va essayer de faire un stage, hein, une sorte... on va faire découvrir le jeu. Donc tu as du même film, donc je vous ai laissé l'intro. Donc elle est en anglais bien sûr, hein, parce qu'à l'époque les jeux n'étaient pas traduits en français bien sûr. Ça c'est pour ceux qui croient que tous les jeux étaient traduits en français. Hein. Il y avait certains jeux qui étaient en français. Bon c'était assez rare. Hein. Bon il fait chier avec sa moto de brun. Là. Bon vous allez reconnaître pourquoi ils mettent des clowns alors que c'est un pingouin l'ennemi. Mais bon, on cherchait pas. Pourtant on peut pas se protéger, donc toi tu vas te casser, ouais, pauvre con. On va faire gaffe à lui là, voilà, tire sur tes copains, ça c'est bien. Ah, mange, c'est gratos. Bon, il n'y a qu'un bouton en fait. Il y a un bouton pour sauter, donc un bouton pour frapper, un bouton pour jeter le batarang et les autres. Ah, si, on peut se protéger aussi, c'est vrai. Et on peut. Et aussi, on pourra casser les vitrines. Mais après que lui me. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça va pas me spammer, gros PD là. On peut prendre les deux aussi. Ouais, bah, allez, mange. Et dans la vitrine aussi, comme ça. Voilà. Donc ça c'est bien fait. Allez boum, allez. Bon graphiquement ça a vraiment de la gueule. Hein. Je trouve que c'est pas très vilain. En même temps j'ai connu des jeux bien plus moches. La prise en main est assez facile même si Batman est un peu lourd. En même temps avec tout le bardeau qu'il y a sur lui, garçon, ça va pas être facile. Donc ça c'est un cœur de vie. Voilà, merci. On peut pas courir, ça c'est un peu con. Ah, Diablo! Donc l'histoire c'est tout con, l'histoire, hein, c'est en fait c'est le mec, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Paul Bolton, un truc comme ça, je crois son nom de famille. Donc la famille Paul Bolton a un enfant, si c'est le bon nom de la bonne famille. Ouais, je vais mourir, j'ai pas une vie, super. Non, moi j'ai un truc, ce test tube, je sais même plus c'est quoi. Non, moi je dois avoir un gros pouvoir normalement, si je me rappelle. Donc ils ont un bébé, mais comme le bébé c'est une famille riche, hein, et comme le bébé est vraiment très moche. Il décide de l'abandonner, ça c'est une super idée. Abandonner ses gosses, super. Il décide de l'abandonner, hein, vu qu'il sait pour eux c'est une honte de la famille, hein, des gens riches avoir un gosse moche. Du coup il l'abandonne et il se retrouve dans le zoo. Hein. Moi je récupère pas de la life quand j'en ai plus bientôt. Donc ils le mettent dans le zoo. Bon, on va savoir pourquoi il se retrouve dans le zoo. Et donc il est élevé par les pingouins. On va dire c'est un peu stupide, ouais je confirme. Mais bon, dans tous les Batman, de toute façon, les ennemis, ils arrivent bizarrement. Donc, Batman, donc pendant une réception, bon, le pingouin y arrive, quoi. C'est la première fois qu'on le voit, en fait. Et il vient le super méchant, disparaît, quoi, un peu comme tous les méchants. J'ai déjà passé le premier niveau? Ah bon.
Ah non, j'ai pas encore passé, c'est vrai. Donc il devient super méchant. Ah tiens, là j'ai le grappin cette fois-ci. Ouais, cloche. Mais putain, pourquoi là je peux plus tirer mes batarangs? Bah, je peux plus tirer mes batarangs! Ah si. Ouais, donc là c'est un peu en scrolling horizontal. Hein, donc là, ouais. C'est même plus du beat'em all, c'est du shoot là. Casse-toi. Donc là on va faire la poursuite. Putain, gros larve. Ah putain, toi! J'ai récupéré une life. Ma life. Bah, j'en ai perdu. Oh, désolé, j'ai. C'est le temps de merde là, fais chier, temps pourri, sérieux. J'ai un rhume. Bon, après, certaines musiques seront tirées du film, donc j'espère que j'aurai pas un coup des droits d'auteur. Même si je m'en branle. Non, ouais, donc j'étais à l'histoire. Hein, donc, ouais, voilà, Batman. Donc, ouais, j'ai dit la première fois. Donc, tente d'arrêter Paul Bolton, bien sûr. Oh putain, un clown avec un otage! Putain, c'est c'est Street Fighter lui. Bah putain, toi! Je me bats contre Street Fighter! Pour l'instant, je touche pas, hein. C'est super. Comment tu que je les vise, ce gros PD, sérieux? Ouais, je l'ai niqué. Ouais, je suis le premier boss, super. Donc là, a priori, on sauve Catwoman, si je me rappelle bien. Je sais même plus c'est qui l'actrice. C'est pas Michelle Pfeiffer, l'actrice dans Batman Retour? Moi, je crois que c'est même le nom du film, Batman Retour, j'y pense. Si je me rappelle bien, c'est pas Michelle Pfeiffer? Hey, juste, je suis juste Batman. Vous avez sauvé la Lady Batman, Selena Kyle, une secrétaire, hein, Max Schir, mais most beautiful businessman in Gotham City. Donc elle travaille, c'est une secrétaire qui travaille dans une grande, dans un grand truc de business. Hein. Un mystérieux créature, holy, the penguin. Donc une mystérieuse créature, Batman est apparu à Gotham City et ses alliés. Hein, de, voilà. Donc il veut détruire bah, justement là où la meuf elle travaille quoi. Pas savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il veut récupérer la richesse de ses parents, je crois, et que voilà quoi. Il veut récupérer la richesse de ses parents, mais il est pas reconnu comme un descendant de cette famille. Donc du coup, il veut récupérer sa thune. C'est pour ça qu'il fait le méchant. Pas bien. Bon après, je sais pas comment il fait pour payer ses gars s'il n'y a pas de thune. Mais bon. Ça en même temps, faut pas chercher à comprendre. Hein, quand. Bon, j'ai récupéré des super pouvoirs et comment on les fait, je me rappelle plus. Ah si, voilà, bombe atomique! Faut se protéger et appuyer sur un bouton. Il fait pas les chauves-souris dans celui-là normalement? Normalement, je crois qu'on fait un pouvoir de chauves-souris, je crois. Bon, j'ai niqué un pouvoir dans le vent, mais bon, pas très grave. Ouais, les clowns. Ouais, les clowns! J'ai dit que j'allais faire qu'un stage, j'en ai au deuxième, mais bon. On va dire que le premier était tellement court. Après, j'ai pris du plaisir là, c'est bien. Bon après faut trouver comment je vais intituler la vidéo parce que je vais pas l'appeler Batman Retour parce que sinon je vais me faire niquer. Boum. Oh, elle va péter sa putain de bombe, voilà. Toi tu me fais chier ta moto là. Putain. Je me fais niquer par des clowns. Ah si vous êtes allergique aux clowns, je veux pas jouer. Attention hein. Parce que ça rigole pas. Même qu'on se protège, on perd de la life. Moi c'est nul. Bon, je vais pas me faire niquer par des clowns, sérieux. Je peux récupérer de la vie? C'est quoi ça? Un bonus. Moi, je veux de la life. Non, moi, je crois que je peux l'éclater dans les poteaux et tout, là. Ah, voilà. Non, on peut pas casser le banc. Ah, si, je savais bien. T'as quand même, t'as vu comment il prend le gros, toi? Ah, mais là je pouvais pas l'éviter. Bien, wesh. Ah, je suis game over, je crois. Y'a pas de continue? Bonjour Catwoman, très joli. Bon, on va faire un continue. Je suis mort des premiers, deuxième niveau. Moi, c'est honteux. Bon, j'ai fait combien de temps là? Je suis à 14 minutes de vidéo.
Oh, c'est déjà pas mal. On va essayer de faire une petite vingtaine quand même pour faire voir un peu le jeu. Hein. Même si vous avez vu le. Comment je dirais-je? Vous avez vu le principal du jeu. Bah, il a même des décors, j'en ai pas besoin, hein, sérieux. C'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de vidéos rétro, mais il faut dire que en jeux qui sont sortis, j'ai fait le tour hein. Pour cette année, on va dire. Après, je vais pas vous faire tout le pitch du film non plus, hein, parce que sinon, je vais passer 3 heures. C'est vrai que c'est bizarre, c'est comment la meuf elle devient putain. Comment la meuf elle devient Catwoman, ça c'est un peu con. Ah mais putain, mais non, que ça m'a tout pédé lui. Casse-toi toi. Normalement on peut aussi faire la Batmobile je crois dans cet épisode. Je sais que dans le premier on pouvait faire le l'avion et tout. Le Batavion. Le gros, tu vas pas bouger. Tiens, la manche dans ta gueule. Tiens, coup de pied sauté, magnifique! Oh putain, il m'arrache la gueule! On fait ça. Ouais, cassos les craignos. On va en radical de toute façon. Oh putain, en plus, il n'y a pas de sauvegarde donc si vous perdez vos 3 continues, hein, vous êtes game over. Oh putain, fichier, sérieux. Et non, c'est pas la fumette qui fait ça parce que j'ai vraiment mal à la gorge. Non, putain, pourquoi je lui ai mis un gros coup de pompe? Bon, les combos sont toujours pareils, hein, et... Est-ce que je peux mettre dans le poteau? Ouais, voilà. Non, vous voyez que ça fait même un dégât dans le poteau. C'est vrai que c'est très bien fait, hein, franchement. Moi, j'aime bien ces genres de décors. Putain, Nadia, il m'a fait mal. Nadia, dans la ville. Allez, putain. Vite, casse les poubelles. Ah, la life. Tiens, boum. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Mimicicu? Allez, hop, on mange. Ah, c'est pas mal. Oh putain, je l'ai pas vu arriver à cause du décor en dessous. Normalement, je peux aussi péter le truc en bois là, si je crois. Merde, bah tant pis. Ce n'est pas grave. Ouais, toi, t'as bon, tu la manges dans le cul. Soit j'ai énormément de jeux à vous faire voir, donc pour ça que j'ai. Putain, enfoiré. Pour ça que j'en profite un peu pour vous faire un peu découvrir d'autres jeux. Et des vieux jeux surtout. Parce que les jeux récents, c'est vrai que c'est bien. Allez, boum, ça c'est bien vu. Il a vu Batman. On va prendre la vie. Oh, il me donne que. Oh putain, toi. Foiré. Et viens, viens avec ta moto. Tiens, mange, c'est gratos. Ah, c'est pas fini encore. Bon, les musiques sont vraiment répétitives. Hein, mais c'est un peu normal. À l'époque, vous avez pas le son de maintenant. Hein. Ouais, toi, t'as raison, toi. Ah, boing. Eh, je devais le prendre avec, là. Comment je me suis fait archi, sa mère? C'est un jeu que j'ai vraiment eu il y a pas longtemps, donc vous verrez sûrement dans ma prochaine vidéo, compte rendu de mes achats du mois. Parce que c'est un jeu que j'ai trouvé ce mois-ci. Ah, j'ai passé. Bien, cool. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure, je crois. Oh, voilà, scrolling horizontal. Ah, putain, ça meurt. Alors, comment se faire archive en beauté? Putain, gros porc, là! Rebondi. Bon, ça c'est les scènes un peu les plus crades du jeu. Je crois que je suis au boss. Ouais, bande de violeurs d'enfants, bande de dégueulasses. L'autre côté. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Oh, c'est pas très compliqué. Oh, que se passe-t-il? Oh, ça flamme! Oh putain! Ouais, je suis coincé, copain. Ah non, c'est vrai, on peut s'accrocher au mur. Ah! Ah, mais c'est de sa faute qu'il y a de l'incendie! Enculé, vous. Ah, bah, vous voyez que là, ça va être la galère. Ah, je suis mort à cause d'un bout de boîte. Ouais, super!
Ouais, t'as raison. Putain, puis lui il a vu King Gob se pédé là. Tiens, il mange dans ta tête. Bon, là je peux plus m'accrocher en l'air. Donc je vais sûrement être au boss là. Bon, on va faire ces deux stages là. Peut-être que si c'est la botte mobile après. Ah, c'est pas encore fini! Mais sérieux toi? Ah, j'ai récupéré de la life. Et j'ai récupéré une vie. Putain! Ouais, mais je viens de me relever, putain, les sprites là. Putain, salaud. Putain, casse-toi toi, ton putain de bazooka. Tiens, tu as un mur, on va manger. Oui, oui. Putain. Tiens, bah mange le gros toi avec ton épée, tiens. Ah putain. Si vous avez peur des clowns et que vous voulez vous venger, jouez à ce Batman. Vous allez niquer tous les clowns qui vous aimez pas. Ah ouais, parce qu'il y en a, ils ont la phobie des clowns, hein, qui voulez-vous. Chacun a sa phobie, hein. Ah, fils de... Tiens, viens voir copain. Bah. Ah, je me suis fait niquer comme un con. Ah, le boulet. Pétain, puis te lâche pas quand ils sont dans le dos, ces PD, hein, sérieux. Allez, boum, ça c'est bien. Allez, viens, clown. Voilà, on rigole plus là. Putain, ouais, mais à chaque fois je me fais niquer parce que le truc il me le lâche trop tôt. Ouais, vas-y, on s'en branle, allez, vas-y. Hop. Moi je nique les Marvin là. On va les appeler les Marvin, tiens. Allez. Moi j'espère qu'il n'y en a pas un de vous qui s'appelle Marvin parce que ça le ferait mal. De tête à claque. Regardez-moi ces têtes à claque. Ouais, mais j'étais pas dessus là. Ouais, mais quand t'es. Voilà. Ouais, mais. Putain. Vous avez vu la grosse archive, sérieux? J'espère que si je meurs, je vais pas reprendre à zéro. On verra. Pour l'instant, attends, je me mange encore les Marvin là. Ah, coup de pied sauté! Coup de pied sauté, magnifique! Go, go, go! Ah bah tiens, voilà le boss. Ouais, de toute façon, je vais me faire niquer. Ah voilà, je suis même mort avant le boss, toi. Putain! C'est honteux. J'espère que je reprends l'eau, sérieux. Si je reprends à zéro, on arrête, hein. Ah putain, je reprends au début du stage là en plus, t'es sérieux? Putain, monde de salope. Putain, mais lui il m'énerve là, Michel Fayon, putain. Putain, va jouer ailleurs. Ouais, t'as raison, ça c'est quoi ça? Ouais, des points, mais je m'en bande de tes points. Oh putain, je me prends une roquette dans la cou dans les couilles. Ouais, merci. Merde. Non, pas merci. T'es escroc dans Call of Duty ou quoi? Monde de pute. Bon, j'ai plus grand chose à dire en fait, hein. Je voulais faire voir le troisième stage, mais bon. Faut que ça va passer.
Moi, je vais prendre la vie déjà. On va essayer d'éviter de perdre des vies comme un con. Oh putain! Toi mange. Tiens, gros Fatman. Bah, c'est Fat Clown, mais je vais l'appeler Fatman. C'est pas bien. Pas bien, pas partagé. Tiens, mange le mur. Un gros mur. Allez hop. M'énerve lui. Allez Toby, jette ta bombe à la con. Ah, on va le laisser se péter, gars. T'as vu? Mais ouais, je... Oh putain. Ouais, mais laisse-moi me relever! Monde de clowns à la con, là. Sérieux. Quelle idée de faire des clowns, toi. Quoi, en même temps, je m'aurais pas vu niquer des pingouins. Oh putain! Ah, vous savez que l'association des clowns a porté plainte contre ce jeu? Bah oui, c'est une aberration. Les enfants aiment les clowns. Bon, en fait, c'est pas vrai, mais bon. Ah putain! Vous avez les bras longs, les enfants. Un peu trop à mon goût. Ouais, mange. Bon, c'est un peu la même veine que les Golden Eyes et tout bazar, hein, ce style de jeu. On va savoir pourquoi j'ai pété la bombe avec ma main, toi. Je savais que Batman était balèze, mais péter une roquette à la main nue. T'es gros en même temps, magnifique. Bon, lui, il me casse les couilles, là, Robert, là. Tiens, mon chat en l'air, toi. Bon, on va essayer de le boss. Je vais réessayer plutôt. Mais bon, avec 3 vies, ça devrait le faire. Quoi, 2 vies, ouais. Ça devrait le faire, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bam. Bam. Hein, ce qui est pas encore vivant. Ah zut, oh, ben, je suis déjà arrivé donc. Ça c'est parfaitement parfait. On peut le mettre dans le mur? Non, on peut pas. Je peux le mettre dans le kiosque à journaux? Non, on peut pas non plus. On peut le mettre dans le gros? On peut pas non plus. Bon, quand tu veux, gros lard là, sérieux. Je sais que tu vas te casse-couille en plus donc. Allez, viens Toby. Viens voir tonton. Putain, t'sais, la mandale qui m'a mis en l'air. Je sais même pas si je l'ai touché, ça c'est magnifique. Putain, tu! Ouais, ça va, man! Putain, t'as une allonge, copain! Vas-y, on gaspille, on s'en branle. Bon, ça le touche cette merde! Putain, ça le touche beaucoup! Ouais, mais putain, la Viking Gob, eh. Moi j'avais même pas le toucher ce gros porc. Putain, puis. Moi j'ai gagné une life, ça c'est parfait. Surtout quand ça arrive au boss. Ouais, putain, puis se protéger avec son garde. Ah, mais putain, mais lâche-moi la grappe, toi, gros porc, vous. Ah putain, mais il te met des mandales de fou, quoi. J'ai encore rien pris dans la barre de vie, ça c'est magnifique. Ah bah ça y est, là je commence à le toucher enfin. Ah, il va te niquer, mon gros. C'est qui va te niquer? C'est tonton. Allez, viens. Ah, faut une invitation. Non, je vais pas le prendre. Allez, timide. Ah, t'es timide. Ouais, je t'ai niqué, c'est bon. Ah, coupé, sauté, magnifique! Finish him! Voilà. Bon, j'ai dit que j'allais faire 20 minutes, j'en ai fait 30, c'est pas grave. On va faire un peu le. Faire voir le niveau 3, puis c'est bon. Sinon, je peux rester là toute la journée. Hein.
a battu le triangle rouge du circus et a livré The Penguin à trois parents. Donc c'est en niquant ces bonhommes-là que Batman sait que le Penguin est derrière tout ça. C'est magnifique. Où est le maire? Il est dans ton cul. C'est les polarités. Will Wing, do you. Je vais gagner, pas vous. Things change. Désolé, j'ai un anglais assez moyen. Miaou. Sachez le faire. Alors, avoir détruit le département de Miss Kyle, elle se transforme en meuf assez cinglée, en cuir, tout en cuir, super sexy. Il vient qu'à tout mal. Voilà. Alors, est-ce que c'est la Batmobile? Moi, si je me rappelle, j'ai vu qu'il était marqué ça tout à l'heure. Ah bah non. Oh putain, ouais, faut poursuivre Catwoman en l'air, je crois. Viens, mon chat. Miaou, 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 miaou. Ah non, c'est pas la Batmobile, je crois que c'était la Batmobile. Allez, ma gros. Bon, on va se laisser là, hein, parce que je vais pas vous squatter pendant 107 ans sur ce jeu. Donc voilà, j'espère que cette petite rubrique réto sur Batman Retour vous aura plu. Mais casse-toi, gros porc. Sur Batman Retour vous aura plu, salut et à la prochaine pour de prochaines vidéos, je sais pas encore sur quoi mais je verrai bien, de toute façon je trouverai, vous inquiétez pas. Donc voilà. Ah ouais, ok. Ouais, je vole. Ah non, je vole plus. Alors. Ah, c'est tout con, ouais, faut arrêter là. Allez, salut.